Bonjour les Sagittaires. Alors, tirage relationnel, émotionnel, sentimental pour les mois de janvier et février. Dans votre tête, ici, le renard et le jardin. C'est un petit peu, je dirais, à double tranchant. Ou vous avez en tête une sortie avec la famille, ou alors vous êtes en train de penser qu'il y a une personne qui se sert de vous, qui vous manipule dans le cadre d'une situation relationnelle, émotionnelle. Ici, dans le tirage avec les chemins, le nuage et la cigogne, on retrouve un homme et deux femmes. Regardez. Il y a comme si cet homme, qui est un roi, est là. Cette dame qui est une reine du même âge, sensiblement, je dirais, on se détourne ici pour regarder une tierce personne. Est-ce que vous ne seriez pas Sagittaire, cette tierce personne qui vient au milieu et visiblement, vous sentez qu'il y a de la manipulation dans cette situation relationnelle? Il se peut maintenant pour d'autres Sagittaires qu'il s'agisse ici de choix et de décisions à prendre par rapport à des problèmes que vous rencontrez au niveau relationnel avec une personne qui n'arrête pas de changer et de modifier ses plans. Vous voyez? Donc, dans tous les cas, ce que vous avez dans votre tête, ben, c'est peut-être pas faux. Vous avez peut-être eu l'intuition qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas comme vous le vouliez dans cette relation. Alors ici, on nous parle de quoi? De situation un petit peu bloquée avec un ami, un compagnon, des échanges nombreux que vous faites avec cet ami, qui ont l'air plutôt, je dirais, honnête, serein, assez, voilà, comme le lys, quoi. Je veux dire, on fait confiance a priori, hein, mais cette situation est quand même un petit peu compliquée parce qu'elle n'avance pas vraiment. Elle est un petit peu en stand-by, à l'arrêt. On dirait que c'est vous qui relancez les communications avec cette personne. Regardez comment vous regardez le chien. Ici, le chien vous regarde. OK. Il répond, oui, il répond, c'est voilà, des réponses honnêtes, franches, droites, peut-être un petit peu froides, mais dans tous les cas, il y a des réponses ici par rapport à ces échanges. Cet homme ou cette femme avec qui vous communiquez, regardez, est peut-être déjà engagé, hein, et elle discute peut-être que cet engagement ne lui convient plus, qu'il est stressant, qu'il est angoissant, qui ronge sa vie et son cœur ici. Et vous, du coup, ben, ça vous met un petit peu dans l'embarras. Parce que vous vous dites, bon, ben, ok, ça y est, je le sais, maintenant, il est engagé, il me dit que ça ne va pas dans son couple. Ben, ok, ben, pourquoi il ne s'en va pas alors? Pourquoi moi, je vais faire les frais de cette situation et avoir du stress et de l'angoisse? Donc, par rapport à cet engagement ici qui est annoncé, que vous savez maintenant, eh bien, vous allez couper court aux propositions et aux offres. Vous voyez? Ici, on nous dit que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour vous, Sagittaire, vous n'en avez pas envie, hein? Vous voulez quelque chose d'honnête, ce qui n'est pas le cas. Vous voulez être en plein jour, ce qui n'est pas le cas non plus. Il n'y a aucune carte de lumière. Ok, il y a peut-être des sentiments. Il y a beaucoup de blabla aussi, hein. Et regardez les poissons. Les poissons nous annoncent souvent une multiplicité de contacts sentimentaux dans le cadre d'une union qui est déjà faite. Non, ça ne vaut pas le coup. Et franchement, là, Sagittaire, je suis entièrement d'accord avec vous. Cette personne-là, visiblement, elle est engagée et même si elle dit que ça ne va pas dans son couple, ben, elle n'a pas l'air de vouloir se barrer, hein, soyons clairs. Et vous,
vous allez au-devant de stress, d'angoisse par rapport au fait ben, que vous êtes une tierce personne et ça ne vous convient absolument pas. D'où le résultat, ben, ciao, hein. Tu reviendras me voir quand tu seras célibataire. Ben, écoutez, si c'est ça, moi je vous dis bravo. Parce que malheureusement, quand on est pincé pour quelqu'un, ben, on se lance dans une relation qui n'est pas ou qui ne pourra pas aboutir de façon sereine. Et ça nous crée évidemment plein d'angoisse et de stress. Hein. Donc là, vous avez décidé, vous avez bien sondé votre cœur, vous avez bien discuté avec cette personne ici, et vous lui faites la proposition. Sois libre et je serai là. Eh bien voilà, mes amis Sagittaires, même si ça ne correspond pas à tout le monde, là, la situation, elle est plutôt claire. Donc, j'espère que pour ceux qui verront ce tirage de nos amis Sagittaires, eh bien, s'ils étaient encore dans le doute quant à la décision à prendre, là, au moins, ils sont au courant. Je vous souhaite de passer de très bons mois de janvier et février et je vous dis à très vite.